Je vous remercie. Aujourd'hui, nous nous prononcerons sur la directive droit d'auteur. Ce sera un jour historique pour la création en Europe ou au contraire un jour noir pour la culture. Le texte présenté est le résultat de près de 3 ans de travail méticuleux. Son contenu ne correspond en rien à toutes ces fausses nouvelles et manipulations orchestrées par les géants de la Silicon Valley. Bien au contraire, le texte assure un équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs. Ces utilisateurs seront renforcés dans leurs droits, notamment face aux plateformes en ligne qui trop souvent retirent leurs contenus pourtant légaux. Ce texte est fondamental pour nos artistes. Ils ont droit à une rémunération juste et équitable de la part de ces plateformes qui s'enrichissent grâce à leurs œuvres. Malraux disait que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Cela n'a jamais été aussi vrai. Alors, en tant que shadow rapporteur, je dis oui à la culture, oui aux droits de nos auteurs, créateurs, éditeurs et artistes.